J'étais encore perplexe. J'étais encore perplexe depuis le dernier épisode. On se retrouve aujourd'hui. Ben, vous en doutez, on va filmer l'entièreté du jeu. On va pas se faire spoiler d'un coup. Ouais. Donc, deuxième épisode de Hidden Agenda. Je vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé dernièrement. Donc, on a rencontré les différents personnages. On en a rencontré quand même pas mal beaucoup. Si je regarde mon cellulaire, c'est pas parce que je suis antisocial. C'est parce que je vous rappelle, c'est un jeu Playlink sur PlayStation 4. Et qui est antisocial. Et qui se joue avec le téléphone cellulaire. On a rencontré différents personnages. L'intrigue principale. Felicity s'est rendue au commissariat pour confirmer l'histoire de Finn. Becky s'est remémorée comment elle a contribué à l'arrestation du piégeur. Felicity a continué sa discussion avec les enquêteurs. Felicity et Becky passent en revue les preuves des meurtres du piégeur. Et l'agent Monstecino est intervenu sur le lieu d'une infraction en cours. C'est là où nous serons rendus, entre guillemets. Je vous rappelle qu'on a fait des choix, 4 choix jusqu'à maintenant. Ouais. Felicity a décidé de ne pas parler des révélations de Finn au juge. Becky a arrêté Finn, mais son otage a été électrocuté. Becky et son coéquipier ont été promus à la criminelle sous les ordres du sergent Riggs. Becky a révélé à Felicity son différend avec Calvary. Et Felicity a invité Becky chez elle pour reparcourir les dossiers de l'affaire. Becky et Felicity ont parcouru les dossiers de la criminelle. Donc, c'est les principaux éléments. À noter que Jack Calvary, on vient d'apprendre qu'il a fait bloquer la tentative, l'application pour aller au FBI. En soupçonnant qu'elle a fait qu'elle avait pas donné les preuves exactes, qu'elle avait caché des preuves à la police. Voilà, voilà. Et là, ben, on va reprendre exactement là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire, comme je vous le disais, on va intervenir. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Qui suis-je? Je ne sais pas, mais c'est parti! Remarquez également qu'il y avait un peu d'écho dans le micro. Pas trop dérangeant. Ici 125, vous comprenez un petit peu la façon dont on fonctionne. On fait le mieux qu'on peut avec les outils qu'on a. 31h avant l'exécution. Donc là, on est de retour dans le présent. Hein? On n'est pas dans le passé. Fait que là, il va falloir faire attention parce qu'on sait qu'il y a peut-être l'autre Adams, là, qui est... C'est peut-être lui qui a fait... Le meurtre, les meurtres. Présentement, il n'y a rien d'avoir... C'est la police! Il y a quelqu'un? C'est sûr qu'il va très bon. Je suis pas ouais, fait rire. Ça a toujours fait rire, ça. Viens prendre un café. Je pense qu'il va falloir trouver des indices. Fait que prépare-toi, regarde un peu. Regardez s'il n'y a pas des fils à terre. Non, mais c'est des fils partout, quoi. Piégeur, comme ah, dit son non, nom. C'est... Gars, il y a de l'air d'avoir une planche, non? Okay. Ben, on sait jamais. Ah, on sait jamais. Il y a papillé dessus. Ouais. On peut pas savoir. Ouais. Oh, Seigneur Dieu. Monsieur, vous m'entendez? C'était sûr. C'est certainement un piège. Donc, c'est vrai, le piégeur n'est clairement pas Finn. Finn est en prison présentement. Donc, c'est clairement pas lui. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? 29h. Quoi? La victime est un flic. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On est encore en train de faire le tri. On nous a signalé un mort. Nos gars sont venus, le corps était piégé. Face au piégeur. Un flic? Qui? Comment? C'est Calvary. Quoi? Quoi? Non, ça peut pas. C'est complètement dingue. Ils sont en train de recoller les morceaux. Becky. Non mais, on fait beau le détester, mais quand même là, pour que vouloir sa mort. Excusez-moi, vous pourriez éviter de piétiner mon espace de travail? Merci. D'après ce qu'on a pu établir, il semble qu'il était avec une prostituée. Oh, merde. Il l'a ramenée ici pour... Enfin bref. On la connaît? On n'a qu'une vague description. 20 ans, brune. Oh, génial. Donc le corps qu'on Calvary a retrouvé, la personne morte, c'était Calvary. Ouais. On a trouvé son sang et celui de l'agent Montesinos. L'agent Montesinos, c'est la personne qui a... Qui a enlevé l'oreiller. Ouais, exactement. Ok.
Trois indices. Ah! Deux sur trois encore. Toi, t'as trouvé des impacts de balles. Ouais. Si quelqu'un l'a égorgé par derrière, alors pourquoi tirer de ce côté? Et si l'agresseur était devant, comment le rater? Un autre piège. Oh merde. C'est vraiment lui. Ouais, c'est la marque de commerce du piégeur. Du nouveau? Rien de concluant. Becky, je regrette, mais il faut que je te le demande. Où étais-tu hier soir? Seule la personne qui sait garder son calme peut faire ce choix. Ah, ok. Juste toi, Frankie. Mais j'étais chez... Bon, on va dire la vérité, on était avec Félicité. J'ai passé la nuit, enfin, la soirée, avec Felicity Graves, à éplucher des dossiers. Toute la nuit? Oui. Et? Merde. Quoi? Faudra que tu sois très, très prudente dans cette affaire. Pourquoi? Fais en sorte de pouvoir prouver tout ce que tu fais. Tout le monde sait que Calvary et toi, vous vous aimiez pas. Ah ouais, non mais là, c'est quoi? On va pas t'accuser en plus de fabriquer des preuves, d'être accusé de meurtre, quoi? Non mais tu t'entends? Je ne t'accuse pas. Seulement c'est la première chose à laquelle tu as pensé. Évite de t'énerver. Tu sais de quoi ça a l'air. Réfléchis. Non, non, mais moi, je suis pas calme. Ouais, non, on l'a dit ouais. Tout à l'heure. L'eau. Non, non, on l'a dit l'eau. Tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure. Ah, je savais qu'elle allait l'utiliser. Moi, je viens juste à dire que j'en ai quatre. C'est un cochon. Non, c'est bien rien. Je détestais ce connard, mais je ne serais jamais allé jusque-là. Oui, je te crois. Tu ne devrais pas avoir à me croire. Non, il devrait le savoir automatiquement. Ouais. Ah, c'est une blague, quoi. C'est la fin de l'acte 1. Consultez le journal, servez-vous un verre, et touchez la case quand vous voudrez reprendre. Hein, quoi? Bon, maintenant, je sais qu'il y a des pauses comme ça, donc la prochaine fois qu'on coupera l'épisode, ce sera une fin d'acte. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des pauses comme ça. C'est bien qu'ils mettent des pauses, tu sais, je veux dire, c'est vrai, quelqu'un qui veut boire ou quoi que ce soit. Becky avait un alibi pour la nuit du meurtre à Calvary. Ouais, ça on le sait, ça on le sait. C'est bon. On a dit la vérité de toute façon. Jacques Calvary est maintenant décédé. Et Simon Hilary, le médecin, est en vie. C'est ce qu'on voit. Enfin, il a été tué par le piège simulé dans le corps. Voilà, ben, je t'attends, Frankie. Je suis déjà sur. La prostituée. Ah, ok. Je suis déjà sur continuer. Bon, bon. Becky a arrêté Finn, mais son otage a été électrocuté. Becky et son coéquipier ont été promus à la criminalité sous les ordres du sergent Riggs. Felicity a décidé de ne pas parler des révélations de Finn au juge Vanstone. C'est tous les choix qu'on a faits, finalement. Becky et Felicity ont parcouru les dossiers ensemble. Felicity a invité Becky chez elle pour parcourir les dossiers ensemble. Becky a révélé à Felicity son différend avec Calvary. Becky avait un alibi pour la nuit du meurtre de Calvary. On voit qu'il y a toujours de l'espace pour deux trucs. Donc peut-être que justement en faisant un choix, ben on n'a pas telle ou telle situation qui arrive, quoi. Et maintenant, l'acte 2 d'Hidden Agenda. Merci, tutoriel. Il s'appelle vraiment tutoriel, hein, c'est dommage. Ouais. Il aurait pu lui donner un nom, ouais, il est écrit tutoriel 2 points, quoi. Ok. Il aurait pu lui donner un vrai nom. Peut-être Régent ou Bob. Gustave. Police Department. Qui, selon vous, est le plus loyal? Ouf. On est tous les deux très loyaux, en fait, donc il n'y a pas quelqu'un plus loyal que l'un que l'autre. C'était vraiment serré. Mais les deux, on est loyal, donc il n'y avait pas vraiment de gagnant là-dessus. Là. Le but, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu le fais juste à deux? Au départ, j'étais supposé Salut, le faire Simon. Seul. Comment ça va? Je m'accroche.
Ça doit faire plus de boulot quand un taré se balade dans la nature. Ok, ok, chut, un peu de calme. Écoutez. Personne parle. Hé, hey, écoutez. Un flic est mort. Un autre ne reprendra jamais le service. Et ça aurait pu être pire. Je sais que ça va être dur pour tout le monde. Personne ici n'aurait imaginé voir le jour où Jack Calvary se ferait descendre. Jack, disons-le, c'était pas le genre à y aller avec le dos de la cuillère. Mais il était des nôtres. Et on n'acceptera jamais ça. Nous, on a déjà des doutes que c'est le piégeur, donc même pas... On est où avec le témoin, la call girl? On a un mandat d'arrêt pour elle, et un autre pour Adam Jones. On vous tient informé. Il n'était pas mort, Adam Jones? Jusqu'à preuve du contraire, on va considérer qu'il s'agit d'un imitateur du piégeur. Il est tout à fait possible que Jonathan Finn tire les ficelles depuis sa cellule. Le procureur Felicity Grave nous épaulera sur cette enquête. Elle connaît le mode opératoire du piégeur, elle nous aidera. Merci d'accéder à ses requêtes. Inspecteur Marnet, jetez donc un œil au vieux dossier de Calvary sur le piégeur. On cherche des liens, un truc qu'on aurait raté. Pas de trouble. D'accord, oui. Tout de suite. Allez, il est l'heure. Je veux dire, un policier qui est mort, tu commences pas à chialer parce que tu fais la place, quoi. Non, c'est ça. Calvary, il nous regarde. Ne le décevons pas. Salut. Mademoiselle Graves. Vous tenez le coup? Il est déjà installé, il donne un agenda, j'y joue présentement. Non. Policier, c'est un policier? Ouais, ouais, exact. C'est toujours dur de perdre un collègue. Peu importe qui ou comment. Mais merci de demander. Je vous dirai si on trouve quelque chose. Quand j'ai rencontré Finn en prison, il m'a offert son aide. Et? Si Adam Jones existe, il peut nous aider à le trouver. En fait, c'est pas si simple. J'ai besoin d'une ordonnance pour le faire sortir de sa cellule. Ouais. Oh. Alors, bonne chance. Je vais aller parler au juge. Si la piste est solide, il faut la suivre avant qu'il soit trop tard. Ah, mais on sait même pas où, Adam Jones. Le mec va mourir dans 24 heures. Puis tu vas le faire sortir pour qu'il s'évade? Mais on, mec, il va être surveillé, quoi. Il s'évadera pas comme ça. Vas-y. Il pourrait nous aider? Oui, j'espère. Je vais en parler au juge Vanstone. S'il est d'accord, vous ferez partie de l'équipe? Oui. Si j'arrive à sortir de mon donjon. Je pense à un truc depuis ce matin. Quoi? Sur la scène de crime, tu m'as demandé si j'avais un alibi. Tu crois vraiment que j'ai quelque chose à voir avec ça? Becky. Je t'ai posé une question. Tu veux bien me laisser passer? Ah! Fantastique. Inquiète et irritée. On doit être honnête. Je veux savoir pourquoi tu me fais pas confiance. Becky, écoute. Ta petite guerre avec Calvary n'était pas vraiment un secret. T'auras ce genre de questions. C'est pour ça que je te les pose d'abord. Je pensais qu'au moins mon équipier aurait été de mon côté. Arrange-toi simplement pour avoir des réponses à ces questions, ok? Je sais, c'est suspect. Si Calvary avait prouvé que j'ai perdu des preuves, je serais foutu. Donc ouais, mobile. Mais pourquoi personne ne lui a reproché ces conneries? Tôt ou tard, ça l'aurait rattrapé. Sans doute. T'imagines même pas. Il filmait ses petites amies sans leur dire. Une ex l'a fait chier parce qu'il avait publié leur sextape sur un site porno. 6 mois de salaire pour qu'elle la ferme. Violent. Mais bref, on te posera des questions et plus tu prendras de distance, mieux ce sera. Le sergent t'a filé la paperasse, non? Pourquoi tu me provoques, Tom? Quoi? Je comprends pas. Tu essaies de me foutre en rogne? T'as envie que je t'en colline? De quoi? Ah! Excuse-moi, c'est une menace? C'est une menace, je vais te tuer! Qui, selon vous, est le plus persuasif dans une discussion? Persuasif dans une discussion. Moi, j'ai voté. Ah, t'as voté pour toi! Et on est d'accord!
Mais avec moi, ça marche plus. Ça fait trop longtemps qu'on se connaît, de toute façon. Oh! Sois persuasé, vas-y! Donc, Jonathan Finn prétend que cet Adam Jones est responsable des meurtres du piégeur de 2012. C'est ce qu'il affirme. 23 heures en exécution. De l'inspecteur Jack Calvary. Ouais. Et vous y croyez? Vous devez être d'accord. Je sais que ça... Five of One, c'est une énorme. Je peux croire, mais je pense qu'il dit la vérité. Ou du moins, une partie de la vérité. Jusque-là, ça se tient. Quelqu'un a pu parler à Jones? Il est présumé mort depuis des années. C'est un peu gros, vous ne trouvez pas? Bah, admettons que Jones existe. Comment être sûr que Finn puisse le retrouver? Ça donne rien d'être frustré contre un juge, là. C'est sûr que le juge va... Je ne sais pas où est la vérité, mais elle n'est pas loin, et il nous faut du temps pour la trouver. Et apparemment, il vous faut aussi relâcher un tueur en série condamné pour la trouver. Juste à... J'avoue qu'elle dit comme ça. Police à Adam Jones. Vous êtes pleine de surprises, mademoiselle Graves. À ma place, que feriez-vous? Seule la personne que vous êtes ah, ouais. La plus proche. Ah ouais, vas-y, let's go, Max. Faire ce choix. Je reste confiant. Je pense qu'il peut nous aider. Si vous accordez à Finn une seule journée de liberté surveillée, nous pourrions sauver un innocent d'une exécution injuste. Je vois. Très bien, mademoiselle Graves. Je vais accorder à Jonathan Finn une liberté temporaire sous surveillance. Victoire! Mais de 3 heures seulement, pas plus. Merci. C'est déjà mieux que rien. Moi, j'aurais donné 5 minutes, mais bon. 5 minutes? Mec, il a même pas le temps de détacher. On n'est pas le même juge, hein? On n'est pas. Le gars a même pas le temps de détacher ses menottes, quoi. Et voilà, on vous détache. Êtes-vous prêt à sortir de la prison? Oui, ah, finalement, ça fait 5 minutes. On y retourne. Adam Jones était bien à Las Palmas à la même époque que Finn. Il est censé avoir péri dans l'incendie qui a causé la fermeture de l'établissement, et d'après Finn, Jones est vivant et c'est le piégeur. Comment ça peut être possible? Ça n'a pas de sens. Moi, je pense qu'on aurait peut-être vérifié les polices. Parce que ça a peut-être un signe, un affaire de... un sens. Ouais, mais je sais pas, le surveillant, moi, je me dis que si le mec a été déclaré mort, il est sorti par une manière ou d'une autre, je sais pas si tu comprends. Ah, mais c'est le surveillant de l'orphelinat, c'est... il y a eu un feu. Reprenons. Ouais. Le croque-mort. La seule victime pour laquelle Finn n'avait aucun mobile clair. Aucun lien apparent avec Las Palmas. La veuve a déclaré n'avoir aucune idée de ce qui aurait pu pousser Finn à tuer son mari. Peut-être qu'en 5 ans, elle a pris du recul. Je vais aller voir si elle accepterait d'en discuter avec moi. On va voir. On va voir ce que... ce qu'on peut penser de tout ça. Qui, selon vous, est le plus honnête? Dans les deux, on est très honnête, donc... je pense qu'on peut voter chacun pour l'autre, et le pile ou face se décidera. Le pile ou face ou décidera. Hein? Encore? Finalement, je vais prendre tous les choix, quoi. Je contrôle cette aventure! 22 heures avant l'exécution de Finn. Finn n'est toujours pas de sortie de prison. À noter. Oui? Madame Johnson, vous voulez quoi? Vas-y! J'aimerais qu'on discute de votre mort. Vous êtes flic? J'ai rien à vous dire à vous. Je suis journaliste, inspecteur, journaliste. Ah, excuse-moi, je... Non, je ne suis pas de la police. Je suis journaliste. J'écris un article sur le piégeur. Mm-hmm. Savez-vous pour quelle raison le piégeur s'en est pris à votre mari? Il s'en est pas juste pris à ce salaud, il l'a tué. Il lui a ouvert la gorge et je remercie le ciel pour ça. Enfin, quelqu'un qui a eu le cran d'envoyer cette ordure en enfer. Oh. J'aurais aimé serrer la main de ce piégeur. Il m'a rendu service. Mon sacrifice. Ok. Attendez-le. Oh putain. Moi, je me suis dit, bon, ça y est. On va y aller calmement, on va être sympathique, ouais, pour pas remémorer. Oh, il est mort, fils de pute, tant mieux, yes. Wouhou.
Ok. 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 On va être compatissant. Je suis sincèrement désolée que votre mari vous ait traité ainsi. Il a eu ce qu'il méritait, en quelque sorte. Ouais, en quelque sorte. Il vous fallait autre chose ? J'aimerais savoir si votre mari a pu avoir recours au service d'une colcule. Vous déconnez, là. Il baisait tout ce qui bougeait, de la pute de luxe à la salope de bas étage. J'arrivais même plus à compter. Madame, avez-vous entendu parler d'un certain Adam Jones ? Un gosse qui s'appelait Adam aidait parfois mon mari quand il bossait aux pompes funèbres, mais ça, c'était il y a longtemps. Est-ce que c'est lui ? Peut-être juste un peu plus vieux ? Bah ouais, ça se pourrait, ouais. Vous êtes sûr ? Donc ça prouve encore plus que Adam est le tueur, quoi. Ouais, je dirais que c'est lui. Merci pour votre aide, Madame Johnson. Oh. Oh non. T'es prêt pour toi? Ouais, c'est clair qu'il va avoir des trucs à faire, quoi. Putain, j'ai même pas le temps de me rendre, quoi. Oh, j'étais là aussi. Mais pour le moment, c'est bien parce qu'on l'a. L'important, c'est qu'on l'a, ouais, peu importe non, c'est qui est là, là. Cochonnerie. Ici, 609, à la poursuite d'un suspect non identifié. Taille moyenne, souhaite foncer. Moi, je rentrerai pas dans ta voiture. Non, moi non plus. POW! Moi, je me suis dit non, on fait pas ça, quoi. Explosion. Qui est le plus audacieux? Alors, on vote. Celui qui a plus d'audace, celui qui ose plus, si tu préfères. On a voté pour Frankie. Bien joué, Cassie. Morning. Eh bien, je reviens de chez Van Stone et... Ah non. C'est elle qui vote pour moi. Finn sous surveillance. Je me dirige vers le 22 Hoffman Road. On se retrouve là-bas ? Oui. Est-ce que tout va bien ? Non. Il semblerait qu'Adam Jones ait travaillé quelque temps aux pompes funèbres. Wow. Et si je ne me trompe pas, c'était après sa mort présumée dans l'incendie. C'est dingue, alors il existe ? C'est pas tout. J'ai vu que j'étais suivie. Quoi ? Ça va ? Oui, mais il a filé dès que je l'ai repéré. C'était peut-être rien, c'est pas non plus le quartier le plus accueillant. Peut-être. Je vous retrouve à la maison. Voilà, en tous les cas, genre, j'aurais pas attendu qu'il s'approche tant que ça du panneau, en fait. Bah non, ça, j'aurais déjà sauté. Je l'aurais pris en surprise, ouais, attendre quelques temps, et boum, sauter dessus. Il marchait tellement doucement pour aller voir quand t'étais en arrière la pancarte. Ah ouais, il va dire. Tu l'aurais pris de court, ouais, c'est sûr. Profite-en, garde-toi, là, saute dedans. Non, mais c'est le Dodge Jones. Frankie, tu vas faire du bruit en faisant ça. Essaye, désolé pour le bruit. Je m'excuse. Je me prends un petit caramel. Assurez-vous qu'il ne tente rien de stupide. Bah, on peut toujours essayer. Vous faites pas trop d'idées. Ravi de vous revoir. Ça va, les menottes ? Eh bien, je sens plus mes doigts, si c'est ça la question. Vous allez m'aider ou pas ? Ça va, là ? C'est trop gentil. Donc c'est ici qu'Adam est. Faut lui montrer que c'est nous qui a le contrôle et c'est pas lui qui a le contrôle. C'est là qu'Adam a grandi. Passez devant. Voilà. Comme ça, si on se fait tuer, vous êtes notre bouclier. Ça. Moi, ça me dérange pas.
Ah mais il veut pas le chavin, faut qu'on... Il y a des squatteurs, mais ils ont dû filer. Ok, 5 minutes. Allez-y, on vous suit. C'est par là. C'est par là. Il a quand même la gueule et la voix d'un psychopathe, je tiens juste à dire ça, là. Cette pièce, juste là. C'est là qu'Adam créchait quand il s'est tiré. Personne n'est venu ici depuis des années. Ah, j'ai pas dit qu'il serait là pour nous accueillir. Des indices. Tu l'as? Attendez juste. Ah! Encore 2 sur 3! Non, on l'a eu ça. Oh, on l'a eu? Ouais, donc, je pense que t'en as trouvé, non? Moi j'en ai trouvé. Toi t'en as trouvé 2? Ok, ok. Yep. Les squatteurs oseraient pas. C'est pour ça qu'on a eu le succès détective. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Le père d'Adam était dératiseur. Quelle surprise! Il se débrouillait plutôt bien. Ça peut expliquer les trappes à souris. Ouais. Encore un autre lien qui relie Adam à ses meurtres. Des pièges, bien sûr. S'il y a une chose qu'Adam tient de son père, c'est son talent pour tuer la vermine. Inspecteur Marnet, le sergent dit qu'il est temps de remballer. On a trouvé quelque chose. On a besoin de quelques minutes. Comment Adam s'est retrouvé à l'orphelinat? Le père d'Adam picolait tellement qu'il avait même pas le temps de dessouler. Et il tabassait sa femme dès qu'elle avait le malheur de le regarder de travers. Un soir, elle a chargé son calibre 12 et elle lui a fait sauter la tête. Sous les yeux d'Adam. Ça prend la vie d'un enfant, ça. Le piégeur battait sa femme. Le croque-mort. Un autre ivrogne. Le juge l'a fait enfermer à vie. Pas de conditionnel, pas de visite de son fils. Faut croire qu'il se fichait du fait que si elle avait pas pris ce fusil, le paternel les aurait tués tous les deux un jour ou l'autre. C'est ça pour vous la justice, non? C'était un meurtre, pas de la légitime défense. C'est votre point de vue. Ça lui donnait pas le droit de tuer quelqu'un. Là-dessus, Adam a été expédié à Las Palmas. À peine sorti de la merde, aussitôt dans la boue. Vous imaginez pas ce qu'il nous faisait là-dedans, Rominski et cet enfoiré de surveillant. Pourtant, on a essayé de se défendre comme on est censé le faire. On a appelé les flics, ceux de la troisième, mais personne n'a levé le petit doigt. Encore une fois, ça explique pourquoi ce sont juste les flics de la troisième qui sont visés. Alors quand Adam est sorti de ce trou à rats, il a imaginé un moyen de les punir lui-même. Il connaissait l'horaire des patrouilles. Il planifiait tous ses meurtres à la minute près. Il savait exactement qui recevrait l'appel et la surprise qui l'attendait. Échec des flics, échec des parents, échec du système. Vous auriez fait quoi? Ceux qui nous ont fait du mal ont payé. Faut pas embarquer dans son jeu, mais je crois pas qu'il faut embarquer décider, dans son mais jeu. Au jury. Ouais, il paraît. Qu'est-ce qui lui en donne le droit? Vous savez, je me suis longtemps dit qu'Adam était peut-être le seul à voir le monde tel qu'il était vraiment, au-delà des belles apparences. Le mal qui réside au fond du cœur des hommes. Maintenant, je sais que seul Dieu a ce pouvoir. Désolé. Ça n'a plus d'importance. Quand Adam a eu sa cible, il s'est retiré. Et c'est moi qui vais en payer le prix. Sa cible? Rominski. Sa dernière victime. Ouais, c'est ça, Calvary. Ce n'est pas totalement exact. Il y a peut-être eu d'autres victimes après lui. Quoi? L'inspecteur Calvary a été tué d'une façon qui rappelle le mode opératoire du piégeur. Il était temps, putain. Quoi? Rien, je... Faut croire qu'il avait pas fini. Merde, faut que je réponde. Est-ce que ça va aller? On voit quand même que Finn cache quelque chose. La plus audacieuse. Frankie. Frankie, tu es le seul qui peut faire ce choix. Moi, je dis que... En tout cas, je te laisse faire. T'as pas le droit, ton seul. Ah, ok, c'est ça, la chose. Non, 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 c'est vraiment juste toi qui peux...
Il est temps qu'on sorte tous d'ici. Attendez, je peux vous parler seul à seul un instant. Rien que nous deux. Vous avez eu votre chance, Finn. Désolée. Non, alors quand même pas là, putain, je tirerai pas là. Ouf. Bien joué. Mal calculé. Je tirerai pas dans la tête quand même parce qu'il a fait ça là, il y a une limite là. Et il s'aide vraiment pas, quoi. Police criminelle, 14h11. 18h, ça avance vite, quoi. 18h avant l'exécution de Finn. D'accord, donc il nous reste deux pistes à faire. L'orphelinat complètement ou le surveillant de l'orphelinat. Moi, comme je dis, j'ai de la difficulté avec le surveillant parce que c'est sans doute lui qui a permis à Adam Jones de sortir de là. C'était sa job de s'assurer que tout le monde était en vie. En sortant. Au surveillant, donc, ouais, mais le surveillant, comme il dit, il arrêtait pas de le battre. Oui, ça oui. Si les meurtres sont liés à l'orphelinat de Las Palmas, alors le père Rominski... Parce que je me doute un peu ce qu'on va découvrir avec le père Rominski, en fait. Dommage que tout le clergé ait fait vœu de silence à l'instant où les choses se sont gâtées. Mais ça, si on retourne là et on réussit à voir un peu des bouts de la salle de jeu... Rominski avait une sorte de salle secrète à l'orphelinat. Je n'ai vu aucune référence à cette pièce dans les rapports. Le moment est venu d'aller faire un tour à Las Palmas pour y voir plus clair. On va voir ce qui s'y cache. Ouais. Une heure plus tard, donc. Ouais, non, c'est ça. Et on continue de se faire suivre, quoi. Je m'amusais. Ah, je me demande vraiment c'est qui la personne qui nous suit en fait depuis. Ouais. Depuis tout à l'heure. Okay, ouais, des indices à trouver. Ok. Oui. Ah putain, en bas, elle en bas, là. Ouais. Ouf. On a trouvé tous les indices. Ouais. Une citation étrange. Et c'est quoi la citation? On a une photo qui semble bien d'être Adam Finn et le père Rominski. À tes souhaits. Et moi, j'ai trouvé une plaque mobile. Oh. Est-ce que c'est là que se cache la fameuse salle secrète? Thank you.
chance qu'on l'a trouvé finalement, parce que sinon on n'a plus rien faire. Ah ah. Oh, bonjour mesdames. On dirait bien que le père Rominski était un client régulier. Ça coïncide. Waouh. Devon! Hey, comment ça va? Du nouveau à Las Palmas? Finn disait la vérité. J'ai trouvé la salle de jeu de Rominski. Intéressant. Rien d'amusant. Et apparemment, l'aumônier avait un faible pour les Colgers. Tout comme Calvary. De pire en pire. Enfin bref, je rentre. On va probablement voir la personne qui nous suivait. Non. On a juste vu la personne qui a pris des photos. C'est tout. Notre écran qui dit patient. Qui, selon vous, est le plus prudent? Le plus prudent. C'est un ballon, je voyais rien encore. Ça vient de se toucher. Et c'est Frankie, le vote a donné l'égalité. Donc on a chacun voté soit l'un pour l'autre, soit pour nous. Je vais voter pour qui, toi? Ah, c'est un secret! Mais t'as voté pour toi, parce que moi, j'ai voté pour moi! Je commence sérieusement à penser qu'il y a un lien entre les prostituées et les meurtres du piégeur. Hillary a peut-être des éléments scientifiques qui nous ont échappé. Allez-y, mollo, d'accord? L'explosion de ce matin l'a bien secoué. Simplement quelques questions. Rien de méchant. Donc on va tout simplement aller voir notre spécialiste scientifique criminel. Ouais. 15 heures avant l'exécution. Inspecteur Marnet. Bonjour. Pardon de vous déranger chez vous. Entrez. Je vous en prie. Toujours la même chemise. Quand je pense à quel point j'ai frôlé là, j'ose même pas le dire. Un coup de chance. Je vous le fais pas dire. Une fraction de seconde plus tard et... Mon Dieu. N'y pensez plus. Vous êtes en vie, c'est tout ce qui compte. Oui. Bien sûr. Vous vous souvenez de Las Palmas? L'orphelinat. L'affaire d'il y a quelques années. Épouvantable. Ouais. On ressort les dossiers. L'aumônier, Rominski, semblait avoir un penchant pour les femmes de la nuit. Ce qui a l'air de ressembler fortement au cas de Calvary. Et Walsh, des pompes funèbres. Prostituée aussi. La nuit de sa mort. Ça fait trop de prostituées pour que ce soit un hasard. Hein? À moins que tous les hommes de cette ville fassent pareil. Eh bien... J'étudie une nouvelle piste. C'est encore vague, mais je pense que vous pouvez m'aider. D'accord. Avez-vous trouvé des éléments qui pourraient indiquer que le piégeur est une femme? Eh bien, il y en avait des traces. Bon, oui, c'est possible, certainement. Ces données sont toujours disponibles? Bien sûr, les dossiers ont été archivés quand Finn a avoué. Est-ce que ça va? Pardon? C'est ce matin. Je suis encore un peu sous le choc. Oui. Oui. Je ne sais pas, je trouve ça louche. C'est comme si on avait toutes les pièces du puzzle, mais que l'image sur la boîte ne ressemblait à rien. On dirait que Jonathan Finn n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je n'en suis pas sûr, inspecteur. Et maintenant, le meurtre de Calvary. Jonathan Finn est peut-être dans le coup. Mais si quelqu'un d'autre tirait les ficelles? Je me sens à nouveau menacé tout à coup. La dame Jones de Finn aurait survécu à l'incendie de l'orphelinat. Il a bossé aux pompes funèbres avec la première victime. La veuve l'a identifié sur photographie. Excusez-moi, je me sens encore un peu embrumé par cette explosion. Il y a de l'air étrange en tabarouette. Ouais, non, mais oui, je comprends qu'il soit sous choc, mais c'est étrange.
Frankie, it's your turn. Toi, tu ferais quoi? Ah, je dis pas. Quand c'est pas mon choix, je ne dis pas. Excuse-moi un instant, je vais nettoyer tout ça. Ça va brasser là. Oh, ça. Excusez-moi, je suis encore un peu dispersé. Ne vous en faites pas. Laissez-moi vous aider. T'as que fait exprès de faire exploser la bombe justement pour peut-être avoir un peu plus de temps ou pour faire comme si. Peut-être, peut-être. Allez, j'ai déjà largement abusé de votre temps. Aucun problème. Vraiment. Oh, je sais que vous n'avez pas pu finir votre analyse de la scène de crime. Auriez-vous pu passer à côté de quelque chose? Eh bien, ça m'étonnerait, mais ce n'était pas une agression classique. Calvary connaissait la personne, celle qui l'accompagnait. Merci pour tout. Espèce de... On a bien fait finalement de suivre, quoi. Ah oui, maudit bon choix par moi. Merci. Simon a complètement flippé. Et cette capuche? Est-ce qu'il m'a suivi jusque chez la veuve? Mon instinct me dit qu'il est mêlé à ça. Faut creuser un peu. Toi, t'aurais choisi quoi? J'aurais choisi le suivre aussi. Ouais. Je me dis, de toute façon, t'es chez quelqu'un que tu connais là, t'as le droit d'avancer là, c'est pas interdit d'avancer dans la maison, quoi. T'aurais pu aller t'informer, est-ce que ça va? Est-ce que c'est. Ouais. Je veux dire. Quinze heures avant l'exécution de Finn, on approche de plus en plus de la fin du temps. Elle dort jamais. À quoi sert de dormir lorsqu'un tueur est en fuite? Ben oui. Et ce beau vieux Windows 98, non. Ah, c'est un Mac, excusez-moi, pardon. Il y a les petites icônes en bas. Un vieux Mac 1998. On vient de découvrir quelque chose, là. C'est pas en tout la même personne? Non. On est de retour à la scène de crime de Calvary. 14 heures avant l'exécution de Finn. Ça nous a pris une heure. Ce qui me fait rire, c'est une scène de crime, mais aucun policier surveille la scène de crime. Non. Parce que c'est une vieille scène de crime, tu sais, ça fait... Mais t'enlèves les bandeaux quand c'est plus... 20h23. Je suis de retour sur la scène du meurtre. Ils pensent vraiment que juste les bandeaux, ça va empêcher les squatteurs de venir, là? Non, pas vraiment, oui, je pense pas. Oui. Je vais d'abord aller inspecter la chambre. Oh, prépare-toi. On ne peut pas dire que ce soit immense, mais... Peut-être que la scientifique est passée à côté de quelque chose par ici. Deux indices à trouver. Regarde sur le lit, puis il y a des pilules à quelque part. Bon, ben déjà, j'en ai trouvé une. Moi aussi. C'est tout. Oh. Quel bordel. Des projections de sac. Qui se dispersent en direction de la tête de lit depuis l'origine de l'explosion. L'explosion était fortement directionnelle. Si Simon était au courant pour la bombe, il a tout à fait pu éviter des blessures graves. La scientifique a bien confirmé que les balles provenaient de l'arme de Calvary. Mais pourquoi? Et pourquoi à cet endroit surtout en fait? Parce qu'ils sont pas à côté de la porte ou quoi que ce non, soit. Non, c'est ça. Donc la personne était bel et bien à côté d'elle. Ouais. Ou à moins que c'est quelqu'un qui a tiré après. Pour faire croire qu'il y avait eu des balles, je sais pas. J'écoute peut-être trop Contact. De séries policières, je sais pas. Voulez-vous appeler? Felicity Graves. Appel, Felicity Graves. Hey, Felicity. Hey, Becky, ça va?
Ça répond vite. Ah bon vite, quoi. Faudrait qu'on vérifie certaines preuves. Oui, bien sûr. Au temple, ça te va? Génial. Au temple? Faire les muscles. Ah, c'est une fille. Je ne saurais pas le dire. Ah oui, ça a l'air d'une fille. Ouais, t'as vu ses seins. Bien, c'est la fin de l'acte 2. Bien, c'est la fin de l'épisode! La fin de l'épisode! Faut pas cliquer sur continuer parce que sinon, on va attendre le prochain épisode pour voir la... Continuez! On va attendre le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode. C'était Mark and Frankie. Mark and Frank. Nouvelle chaîne YouTube, Mark and Frankie. Mark and Frank style. Lien qui n'est pas dans la description parce que cette chaîne n'existe pas. Merci d'avoir été là et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!